Bonjour à toutes et à tous, elle ne nous avait pas trop manqué, elle n'est pas prête de s'arrêter, c'est la pluie. Alors préparez-vous à encore sortir vos parapluies ces prochains jours. Mais tout d'abord, ce dimanche 3 octobre est rythmé par un front pluvieux qui s'enfoncera lentement dans les terres, apportant encore de fortes précipitations. Le mercure est de 12 degrés à Montaigu-Vendée, 13 à Fontenay-le-Comte et 13 à 14 en bord de mer et sur les îles. Dimanche après-midi, le ciel nous donne un peu de répit et cesse de nous donner de l'eau, le soleil pourrait même nous faire l'honneur de sa présence localement. Au niveau des températures, notez 17 degrés à La Roche-sur-Yon, 17 aussi sur la côte vendéenne et 16 à Noirmoutier. Petit coup d'œil sur les trois prochains jours à présent. Le régime perturbé continue ce lundi avec des averses le matin, mais un retour du soleil l'après-midi, évitant les quelques ondées encore présentes. Mardi, un nouveau front pluvieux à bord de notre département. Il devient de plus en plus fort l'après-midi avant de laisser place à quelques éclaircies en fin de journée. Comptez 17 maximum au cours de la journée. Mercredi, le ciel se calme dans les terres, mais des averses persistent toujours sur le littoral. Les températures sont comprises entre 10 et 18 degrés. Revenons dès maintenant à ce dimanche 3 octobre. Nous fêterons une belle fête à tous les Gérards et la mer risque d'être agitée, coefficient de marée de 53 et 61. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle fin de week-end et vous dis à bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée.